Parler de mon idée de porter des petits brassards. Oui.
Ben, regarde ça. Facilement ajustable. Du velcro pour pas que ça nous achale. M'excuse, là, mais c'est une joke. Ben non, c'est pas une joke. C'est quoi la prochaine étape, là? Tu vas peinturer nos lacets de souliers pour qu'ils soient de la même couleur que nos chandails? Non. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Rose? C'est une bonne idée de porter chacun un brassard pour différencier le capitaine et l'assistant capitaine? Non, je comprends pas c'est quoi l'idée. Ben pour que ça soit plus clair pour tout le monde sur le terrain. Je trouve beau, moi, tes brassards. Oui. Est-ce que c'est toi qui les as faits? Ben oui. Ah. Ben un peu. Ben en fait, j'ai dit à ma mère comment je voyais ça, là. Puis c'est elle qui les a faits. Ah ouais. Peux-tu l'appeler pour essayer de mettre des franges et des paillettes sur le mien parce que sinon je le porte pas? Ben là. Hey, salut mon Théo! Puis, comment va le moral de l'équipe? Ça va bien, pourquoi? Ben, je me demandais. Les joueurs sont pas trop déçus de pas aller au Festival du Saguenay, finalement? Comment ça, déçus? Oh, excuse-moi, je pensais que t'étais déjà au courant. Au courant de quoi? Ben, ça a l'air que vous avez pas ramassé assez d'argent pour payer l'autobus. C'est plate pour vous autres, hein? Je sais qu'aux dernières nouvelles, on n'avait pas ce qu'il fallait. Mais tout le monde continue de travailler bien fort là-dessus. Ben oui, puis ça va super bien, là, je sais pas, hein? Hein, à date, vous avez juste assez pour payer l'autobus jusqu'à la crèmerie du coin. Ça se peut que vous soyez obligé de vous mettre à trois sur un cornet, par exemple? Monsieur Vallière, vous êtes carrément dans le champ, hein? Ah ouais, je suis dans le champ. T'imagines quoi, là? Que c'est toi, Théo Saint-Cyr, qui va trouver la solution à tous vos problèmes? Sois réaliste, là. Si t'es pas capable d'aider ton équipe sur le terrain, ben, tu seras pas plus capable de l'aider en dehors. Pense à ça. Et c'est quoi l'affaire, là? C'est pas ce que vous disiez de moi l'autre jour, hein? Laissez-nous faire. Hey, Théo, qu'est-ce que tu fais? T'as donc bien l'air frustré. Hey, on est bon, t'étais pas supposé faire du vélo avec Rose, toi? Ouais, mais elle voulait pas. Ben, de toute façon, c'était juste une façon qu'elle soit réveillée pour le match. Hey, moi aussi qu'on fait comme d'habitude. J'ai un bon truc pour la faire fâcher. On... Non! Pas question que t'as fasse fâcher, je vais m'en occuper, moi. Ok. Vous en êtes donc bien intense, là. T'es où? J'ai croisé Vallière tantôt. Il arrête pas de rire de nous autres parce qu'on n'a pas assez d'argent pour se rendre au Saguenay. Le pire, c'est que c'est vrai. J'ai demandé à Reda. C'est quoi, là? On pourra pas aller au Festival du Soccer? Pas nécessairement. Faut trouver une autre solution. C'est facile à dire, ça. On pourrait peut-être y aller autrement qu'en autobus. C'est quoi, Théo? Tu veux y aller en vélo? Eh ben oui, on pourrait y aller en vélo. Est-ce que tu sais c'est où, le Saguenay? Ben oui, je suis sûr qu'on serait capable. OK, viens chez nous, là, on va aller réfléchir à ça. OK, ça c'est son numéro au bureau? OK, merci. Je l'appelle. OK, bye-bye. Salut, mon Diego, ça va? Ça va. Toi, t'es occupé. Occupé? Mettons que je manque de temps, oui. Alors, c'est les démarches pour sauver le voyage là, qui m'occupent comme ça. Je viens de parler avec un de mes oncles. Il dit qu'il y a un Bernard, un gars avec qui il travaille, qui peut peut-être nous aider à financer le voyage. C'est comme notre dernière chance, là. Reda, ça n'a pas vraiment rapport avec le voyage, mais je voulais savoir si je pouvais te demander quelque chose. Attends, attends. Moi, je veux te demander quelque chose. Peux-tu me faire penser tout à l'heure de demander une photo à chaque joueur? Parce qu'on va en avoir besoin pour remplir les fiches d'inscription au festival, si on y va. Oui, pas de problème. Bon, tu vas m'excuser, mon Diego, mais là, il faut que je rappelle Bernard, là, il est en pause, puis je veux pas le manquer. Moi, je suis sûr que si on prenait le train, ça coûterait bien moins cher que de loin l'autobus. Bon, il faudrait juste s'assurer qu'il y a un train qui va là-bas. Je vais demander à ma mère, elle prend souvent le train. Samuel, oublie pas, hein, après le match, je compte sur toi. Tu ramasses des aiguilles de pin pour les enfumoirs. On n'en a plus. Oui, c'est bon. Rose est où? Elle est partie chez Abeille. Elle voulait encore écouter son film, là. Toi, Light. Je pense que ça fait 15 fois qu'elle le regarde. Je pense que vous voulez dire Twilight. Mm-hmm. Oui. Puis toi, tu l'as laissé faire. Mais pourquoi? C'est pour 18 ans et plus? Non, c'est juste que c'est pas en restant assis à regarder des vampires que Rose, ça va l'aider à bloquer les tirs des castors. C'est en plus que j'ai fait venir Théo, justement, pour pratiquer ses tirs. Ah ouais? Coudonc,
toi. Ils te font donc bien peur, les castors. Les castors qui me font peur, c'est Rose. Ah, écoute, là, Sam, je sais que c'est important pour toi, le soccer, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Alors, tu sais qu'en ce moment, elle a besoin de changer des idées. Ça lui fait du bien. Puis ça veut pas dire qu'elle sera pas prête pour le match. Au contraire, elle va arriver détendue. Pas ça détendue. Moi, j'appelle ça dormir au gaz. Oh, bon, oh. Donne-lui donc une petite chance un peu, hein. Eh, bon, ben, il faut que j'y aille, moi. Bon match. On se revoit plus tard. Tu viendras pas? Ben non. J'aurais aimé ça, mais... J'ai un rendez-vous très important avec un grand distributeur de produits du terroir. Et je suis certaine que vous allez gagner. Merci, au revoir. Ouais, ça va pas être facile. Non. Là, je peux-tu te parler? Oui. Oui, vas-y. Je voulais savoir, avant le match, est-ce qu'on va pratiquer les exercices de réchauffement que je t'ai proposés? De quel exercice tu parles? Ben, sur les feuilles là, que je t'ai données. Ah non, j'ai pas eu le temps de lire ça. Mais je te jure, aussitôt que j'ai deux minutes, là, je vais jeter un œil là-dessus, OK? Ah, puis je voulais savoir aussi, vu que c'est mon premier match en tant qu'assistant capitaine, je voulais savoir, toi, là, comment tu vois ça, là, sur le terrain, mettons? Ben, je sais pas, Diego, je vois ça tout simplement. Hein? Mais on peut en reparler si tu veux, OK? Parce que là, le temps file, puis tu sais que les castors nous feront pas de cadeaux sur le terrain aujourd'hui, là. Fait que... Ben, merci. Je savais pas que tu voulais te servir de moi pour entraîner Rose. Je pensais que tu voulais qu'on trouve une solution pour le transport. Ouais, mais je pensais qu'on aurait pu faire les deux. Si tu veux mon avis, on est mieux de s'occuper de Rose. Mais pourquoi on peut pas la faire fâcher comme d'habitude? Ben... Entendu, Suzanne, c'est pas le temps de la faire fâcher. Il n'a pas vu son père depuis des années, puis là, il veut la revoir. Elle stresse. Non, je comprends, là, mais peut-être que tu t'en fais pour rien aussi. C'est pas la première fois que Rose n'est pas super motivée avant un match. Oui, mais là, c'est pire que pire. Il faudrait qu'elle s'entraîne, mais elle veut rien savoir. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, Théo. Eh, j'aime pas bien ça, ça. Non, attends. Tu vas appeler Rose chez Abeille. Tu vas lui dire qu'on a besoin d'elle tout de suite au centre. Parce que Reda... Parce que Reda a commandé un entraînement spécial avant le match, OK? Puis là, elle va te croire, puis elle va venir, c'est sûr. Mais qui va faire l'entraînement spécial? Ben, nous deux. On va l'attendre au centre, ben, quand elle va arriver, on va la pratiquer des tirs au but. Ouais, mais quand on va voir qu'il y a juste nous deux, tu penses pas qu'elle va se douter de quelque chose? OK, mais on inventera quelque chose là-bas. Oh oui, viens, on va l'appeler. Allô, Rose? Salut! Et puis les autres? Ils sont partis s'entraîner. Nous autres, on t'attendait. Oui. Mais j'ai vu personne sur le terrain. Oui, ils étaient tannés de t'attendre. Non, c'est parce qu'ils sont allés faire du jogging. Puis, ben, vu que t'étais pas là, mais Reda, il nous a dit que quand t'allais arriver, qu'on allait te pratiquer avec des tirs au but. C'est donc bien bizarre. Pourquoi tu dis ça? Ben oui, pourquoi? OK, j'aime changer. Non. Non, Rose, t'as pas le temps, t'es trop en retard. Non. Tu te changeras après. Ouais. Je peux au moins aller déposer mon sac. OK, mais fais ça vite. Penses-tu qu'elle nous a cru? J'espère, mais c'était pas trop subtil, ton affaire, Théo. Comment ça? Mais tu t'es pas vu. Donc, ça a pas aidé, ton affaire. Je suis pas bon pour mentir. J'aurais quasiment aimé mieux la faire fâcher, comme d'habitude. Non, Théo, je te l'ai dit, on peut pas utiliser ce truc-là. On est déjà chanceux que ça ait marché. Ah, non, un bout. Okay, j'ai bien compris, là. Oups. Moi, je pense que je vais aller faire du jogging avec les autres. À tantôt. Je suis venue ici pour rien. Ah, t'es pas venue ici pour rien, Rose. On a un match important, puis il faut que tu te pratiques. M'avais niaisé d'aplomb. Puis c'est quoi l'affaire du truc pour me faire fâcher? Hey, je t'ai posé une question. Réponds. Non, c'est niaiseux, là. C'est juste qu'on s'est rendu compte qu'on avait plus de chances de gagner quand t'étais fâché. Là, je veux plus qu'on utilise ce truc-là. Est-ce qu'il est en train de me dire que je suis pas capable de garder les buts quand je suis de bonne humeur? Hein? Non, mais je vais t'expliquer, là. C'est jusqu'au début. J'ai compris. Y'a rien à expliquer. C'est vraiment con. On a tellement été con, là. On pouvait pas savoir qu'elle nous écoutait. C'est tellement pas comme ça que je voulais que ça se passe, Théo. Bon, OK, gang. Je vais avoir besoin de votre attention.
J'ai une annonce à vous faire. Coudonc, Rose est pas là? Bon, on va l'attendre parce que ça concerne tout le monde. Bon, ben, en attendant, moi aussi j'ai une petite annonce à vous faire. Ah oui? Tu veux pas attendre Rose? Non, pas besoin. Je veux juste vous annoncer que... Ben, j'ai décidé de... Je renonce à mon titre d'assistant capitaine. Comment ça? Je me suis rendu compte que l'Épic a vraiment pas besoin de moi comme assistant capitaine. Voyons donc. Puis, tant qu'à être inutile, j'aime mieux laisser faire. Attends, Diego, il y a un malentendu, là. L'Épic a besoin de toi, c'est clair? Okay. Veux-tu, on va s'en reparler après le match, OK? Bon, parfait. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller voir ce qui se passe avec Rose? Rose est enfermée dans le vestiaire des filles, puis elle veut plus parler à personne. Ben? Elle est fâchée contre nous autres. Puis il y a personne qui m'en a parlé avant. Mais là, il faudrait régler ça vite parce que j'ai besoin des forces de toute l'équipe. Surtout que Dali sera pas là pour le match. Hein? Comment ça, Dali sera pas là pour le match? C'est ça que je voulais vous annoncer tantôt. Elle peut pas être là, elle est malade. Dali était vraiment désolée de ne pas pouvoir être là. Mais écoutez, elle m'a quand même annoncé une bonne nouvelle. Elle a trouvé un terrain de camping disponible au Saguenay. C'est cool. Alors, le voyage, c'est pas dans le sac, mais ça augure bien, disons. OK? Il nous manque juste des histoires de transport à régler, mais je pense que Théo a fait des recherches. Oui, j'ai demandé à ma mère à faire des téléphones pour nous aider. Parfait, ça. Bon, là, on va se concentrer, les gars, OK? Je vais aller chercher Rose, puis après ça, on parle de notre plan de match. Nous manquer nos joueurs. Hein? Mais pas pour un match important comme ça, t'es où? C'est clair qu'on va en arracher. Quand les castors vont en prendre ça, ça va tellement les fouetter, c'est. T'es où? C'est comme si on leur donnait la permission de nous manger tout rond. Faudrait trouver le moyen de reporter le match à un autre jour. Oui, ça. Si on joue pas, on perd par défaut. Je sais, je sais juste de trouver une solution. Oh! Là, tu parles. On n'a pas de solution. Les gars, on est foutus. Hey! On va pas se laisser abattre comme ça, là. Depuis quand on a une attitude de perdant? Hey! On est en quart de finale. On gagne ça, on s'en va en demi-finale. On a monté des montagnes ensemble. On a franchi des obstacles. Là, on arrive à une rivière. Puis je m'en fous que vous la traversiez à la nage, en radeau ou en traversant un pont. L'important, c'est que tout le monde arrive de l'autre côté. Le voyez-vous, ce qui nous attend de votre côté? Hein? Le voyez-vous? C'est la victoire! Notre victoire! Qu'est-ce qu'on attend pour aller la chercher? Hein?
attention. Aucun problème. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein? Je suis fier de vous autres, les gars. Bravo. Ah! Je vais pas briser ma petite fête, là, mais si j'étais vous autres, j'attendrai un peu avant de fêter, hein? C'est juste un match. T'es pas encore rendu en finale. On l'a pas volé, cette victoire-là. On a le droit d'être content. Ben, c'est vrai, mais c'est juste une victoire. C'est rien comparé à l'honneur qu'on va avoir les crampons de représenter Valmont au tournoi de soccer du Saguenay. Bon, où est-ce qu'on en était, nous autres? Ah, non, soyez pas tristes, là. On va vous ramener des bons petits bleuets du Saguenay. Hein? Il faut absolument goûter à ça. On va vous en ramener chaque petit casseau. Hein? Comme ça va vous faire comme un souvenir, comme si vous étiez allé personnellement. On s'en va au Saguenay! Quoi? Ma mère connaît une troupe qui s'en va faire un spectacle au Saguenay pendant le festival. Ils vont nous embarquer gratuitement dans leur autobus. Que les pics s'en va au Saguenay! Pas pire, hein, pour un gars qui est pas supposé être utile à son équipe. Je pense que vous pouvez laisser faire les bleus, hein? On va aller les chercher nous-mêmes! Saguenay! 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 Dans la section Les yeux doux du site de tactique, pour voir la fois où j'ai vu Miguel pour la première. À Tactique, lundi. Ça te tente plus de voir ton père. Si tu veux remettre ça plus tard, t'as tout à fait le droit. C'est pas parce que je suis pas obligée que c'est facile à prendre comme décision. Si ça te tente plus, t'as le droit. Il faut pas culpabiliser avec ça. Tactique, en semaine.